chers internautes, bonjour et bienvenue sur votre émission Moment de détente. C'est son anniversaire aujourd'hui, 15 août 2023. Je vous rappelle, nous sommes à la boulangerie pâtisserie La Manne et Gourmandise et je suis entouré des personnels des lieux. Tout de suite, allons à la rencontre du prénom du jour. Marie, notre prénom du jour, et ce n'est plus un secret pour personne, Marie, la mère de Jésus, elle est célébrée le 15 août, jour de l'Assomption. L'histoire raconte que 3 jours après la mort de la Vierge Marie, les anges sont venus la chercher pour transporter son corps ressuscité vers les cieux. D'autres jours de l'année sont consacrés au Marie, donc le 1er janvier, le 8 décembre ou encore le mois de mai. Et d'octobre. Les Maries portent un prénom fort symboliquement. Est-ce là qu'elles paraissent si exigeantes, voire discrètes au premier abord? Mais derrière cette froideur, il faut surtout y voir de la discrétion et de la réserve. Les Maries peuvent donner beaucoup de tendresse, un peu comme la chanson « Marie, tendresse dans nos vies, Marie, chemin qui mène à lui ». J'espère que vous allez continuer là-bas. Alors, elles sont de véritables roches pour leurs proches, faisant preuve de courage et de responsabilité. Mais ne vous inquiétez pas, Marie est aussi capable de délirer. Elle se sentirait sans doute étouffée par un amoureux trop démonstratif et recherche donc un homme indépendant et surtout pas trop sensible. Il faut toutefois qu'il sache admirer car elle a besoin d'être regardée pour se sentir vivante. Le tout est de retrouver l'équilibre et de doser les compliments. L'amoureux de Marie ne devrait pas être trop jaloux ni possessif, sinon il risque d'être malheureux car elle n'est pas du genre à se renfermer. Joyeux anniversaire donc à vous qui portez le prénom Marie et qui nous suivez un peu partout dans le monde. Sur votre chaîne Cortès Bénin. Je n'oublie pas aussi les natifs de ce jour. Bonne fête à vous, santé, longévité. Joyeux anniversaire donc à toi, Eulalie, Fenou, Renouveau. Quand la clarté du jour provient à dissoudre l'opacité nocturne, une nouvelle ère s'ouvre à ma très chère fille, Eulalie, Fenou, Renouveau. Sur ce, l'envie me prend de lui souhaiter un très bon et heureux anniversaire, grandi dans les bras de la Sainte Vierge Marie. C'était donc un message de Charles Renouveau et on augmente le volume donc pour chanter joyeux anniversaire à notre chère sœur Eulalie. Nous souhaitons également joyeux anniversaire à Sosa Jires. Il y a toujours un message pour vous. Bon anniversaire à toi, mon amour. Je ne pourrai jamais assez te remercier pour toute la joie que tu as apportée dans ma vie. Chaque jour passé à tes côtés est un petit bonheur de plus et je te souhaite toutes les belles choses que tu mérites. Tu as su donner un sens à ma vie. C'était donc un message de Gisèle Madi. Apparemment, les prénoms se ressemblent, donc on chante ensemble aussi. Joyeux anniversaire pour Sosa Jires. Et maintenant, terminus, place à la question du jour. Le nom de la page officielle du restaurant Le Tabor. Proposition de réponse A. Tabor à Conville. B. Le Tabor. Et C. Restaurant Le Tabor. Envoyez donc vos réponses en commentaire en choisissant bien sûr la bonne réponse suivie de votre nom, prénom. Un grand merci donc à Horizon TV des États-Unis qui nous aide dans la codivision de votre émission. C'est son anniversaire. Je remercie également Oraimo Bénin, la boulangerie pâtisserie Manne et Gourmandise et on fait la galerie Inspire. Je ne vais pas oublier le docteur Moshidat Bello, titulaire de la pharmacie Oluwatoyin de Kota. Je salue au passage tous les personnels de
cette pharmacie. À l'endroit de Madame Elvie Rougbedji, qui nous invite d'ailleurs à faire un tour dans son restaurant pour déguster les plats du 15 août. J'attends toujours aussi vos appels. Il faut m'inviter pour venir manger de bon yam pilé. Alors, merci également à tous les techniciens de Cortes Bénin, le centre de formation masse coiffure esthétique tresse. Elle est au numéro 91 23 04 00. Merci à vous qui nous suivez. Merci à vous qui likez cette émission. On se retrouve donc demain, même heure, même rendez-vous pour son anniversaire. Sur ce, à demain.